était temps. Et là, retournons en situation. Je vais vraiment sur Dora. J'éteins le jeu et on passe 4 heures sur Dora. Ouais, non, merci. Oh là 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 là, enfin! Enfin un live sur un Zelda, putain, ma série préférée, il était temps! Alors, il va falloir me dire pour le son, hein. Je change de titre. Bonjour messieurs, dames, j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, on fait un petit jeu... Pas très ragoûtant, pas très connu, voilà... En mode HD, vu que je suis parti des des chanceux, si je puis dire, qui ont la Wii U. Ça va le son ou pas? Dites-moi tout. Merci Audimac pour le 5e mois. Ma sœur jouait à Dora et la planète Mauve sur ma GameCube quand j'étais gosse. Je pensais ne plus jamais en entendre parler. T'inquiète pas Audimac, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, t'inquiète pas. Merci Cloud pour le 5e mois, mais qu'est-ce qui se passe tous les 5e mois là? Et merci Nao Dayaka pour le 4e mois. Alors aujourd'hui on va faire Wind Waker en mode héroïque. Voilà. J'en ai plus à la foutre. Merde. Ah ça y est, avec mes gros doigts là sur le gamepad, c'est une horreur. Oh merde! Alors en mode héroïque, les dommages que vous recevez sont doublés et les cœurs n'apparaissent pas. Seuls les vrais aventuriers relèvent le défi. On est des vrais aventuriers. Non, c'est surtout que le jeu, je l'ai fait des dizaines de fois et du coup, on va le faire en mode hard cette fois. Je crois que j'ai jamais fait en mode hard. Merci Maxime Mao pour le 5e mois. Bon alors là c'est la fameuse intro ultra longue qu'on peut passer, mais je vais la laisser quand même. Parce qu'elle est culte. Cette intro qui dure 150 ans m'avait pas manqué. Mais on peut la passer hein, sur la version Wii U, on peut. Mais je la laisse histoire qu'on s'immerge et tout, tu vois, qu'on soit dans le délire. Mais bien sûr qu'on va crever, j'y compte bien. Parce qu'en fait, c'est pas le Zelda le plus dur, donc autant lui rajouter un peu de difficulté. C'est moi! Ah, Mao! J'avais espéré que tu sois sur le stream. T'es en train de kiffer, là. Best game! C'est moi! C'est lui! Merci Dekmir pour le 5e mois. Alors voilà, les personnages ont une forme un peu... voilà. Assez tendancieuse là, ce qu'on voit au milieu. Ganon et ses fidèles, Ganon hein, pas Ganon. Ganon et ses fidèles se sont emparés de l'île de Koridai. Alors c'est vrai qu'à l'époque ça nous faisait chier cette intro, mais... Aujourd'hui, j'y suis attaché. Putain, enfin un live sur un Zelda, il était temps. Hein. Putain. 2 ans sans vidéo sur un Zelda, on le rappelle. Hein. Plus de texte sur Zelda depuis 2 ans. On sait pas ce qui branle, on sait pas ce qui fout. Mon premier Zelda. Moi, c'est mon deuxième. J'ai une histoire particulière avec ce Zelda. Fait quelque chose de le refaire, parce que j'ai une histoire avec ce jeu. Et puis, de toute façon, c'est un jeu en soi qui est incroyable. Il a quel âge, Link, déjà, dans Zelda? Il en a 12, hein, je crois. Il a 12 ans.
Bon, pour Zelda, c'est Ocarina of Time, ça va. Ça va. T'as découvert la série sous de très bons auspices, on va dire. De très bonnes auspices. Le cœur frais comme le vent des prairies. Oh, ça, c'est beau. Ah! Et l'air de rien, on n'est pas beaucoup à y avoir joué à celui-là, puisque la version HD n'est toujours dispo que sur Wii U. Ce qui est bien dommage. J'espère que ça sera dispo sur Switch pour vous un jour. Pour ceux qui n'ont pas la Wii U. Mais à mon avis, ça va arriver. Hein. Twilight Princess et Wind Waker sur Switch, ça va arriver, je pense. Oh putain, mais revoir. Oh là 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 là. Oh les papillons de nostalgie! Oh putain! La première version de l'île de l'Aurore, cette version-là, là que vous entendez. Ah là là, elle me rend nostalgique. Ah oui, alors c'est vrai que le gamepad c'est particulier. Qu'est-ce que tu montes le gamepad? Je peux sauvegarder. Et j'ai l'inventaire. Très bien. Ah, elle se téléporte. Puis ça me rappelle des souvenirs aussi par rapport à ma chaîne YouTube. Ça me rappelle moi en vrai. C'est mon anniversaire, ma gueule! J'ose espérer que c'est une PS5. J'ose espérer. Parce que ça va chier. Une PS5 avec Demon's Souls. Parce que sinon, je te jure, ça va chier. Et je sens que ça va chier. Parce que c'est pas sur cette île où on a ni l'électricité ni la fibre qu'à mon avis, je vais avoir une PS5. Regardez, petit bug, elle va être bloquée, regardez. Ah non. Et que ce bug soit sur GameCube. Ah, retourner sur ce jeu incroyable. Ouais, histoire particulière que j'ai avec ce jeu. Alors c'est très bizarre déjà, de passer de la... des manettes Pro et de la manette Xbox au Wii U Gamepad. Parce que vous voyez, le Wii U Gamepad, je pousse vers le haut. Il va un peu vers la gauche. Il va pas tout droit, il va vers la gauche. Voilà. Donc ça, il va falloir que je m'y habitue. Alors que je décale un peu le doigt. Ouais, histoire avec ce jeu, parce que je vous l'ai souvent dit, mais mon premier Zelda, c'était Link to the Past, que j'ai adoré. Mais c'est pas Link to the Past qui m'a fait dire, allez, il faut que je me mette aux autres opus. C'est celui-ci. C'est celui-ci qui m'a fait dire, ok, il faut absolument que je joue aux autres jeux de la série. La série Zelda, c'est ma série préférée. C'est quand je l'ai fini que je me suis dit ça, donc... Il a une petite place particulière dans mon cœur. Et puis surtout, y a deux vidéos dessus, quoi. Il y a mon test en carton de Wind Waker, que j'aime beaucoup. Et surtout mon En Vrai, qui est pour moi l'une des trois vidéos dont je suis le plus fier. Mon Wind Waker En Vrai. Ah, toi, tu m'avais pas manqué, toi. Oh, toi, tu m'avais pas manqué. Toi, tu m'avais pas manqué. Et c'est vrai que la dernière fois que j'y ai joué, bah, c'était pour Wind Waker en vrai. Bon, malheureusement, ce Zelda-là, comme beaucoup d'autres Zelda, il a pas les débuts le plus passionnants, on va dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Zelda où le début, c'est un peu poussif. Après, ça part, mais... Puis il y a peut-être, je dis bien peut-être, un autre challenge que j'aimerais bien me faire, c'est tout simplement finir le jeu à 100%, c'est-à-dire avoir tous les quarts de cœur. Je crois que je n'ai jamais eu tous les quarts de cœur sur Wind Waker. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais en mode héroïque, ça pourrait être drôle. On va voir. Ni la partie de fin la plus passionnante, si tu vois ce que je veux dire. La partie de fin la plus passionnante. Alors moi je t'avoue que j'aime bien la fin de Wind Waker. À moins que j'ai pas compris la blague.
Moi j'aime bien le combat contre Ganon. Non, non, on fera pas Tendo, non, non. Quand je dis 100%, c'est les quarts de cœur. Ou alors j'ai pas compris ce dont tu me parlais, pour la fin. Mais moi j'aimerais bien tous les quarts de cœur. D'ailleurs, je crois que me rappeler, il me semble, qu'il y a une carte qui t'indique l'emplacement de certains quarts de cœur. Je crois. Dekmia, est-ce que je t'ai dit merci pour le cinquième mois? Je ne sais plus. Dans le 12, je te le redis. Merci à toi. Ah oui, Ariel. Salut Flamazard. Mais figurez-vous que la quête de la Triforce dans cet épisode, dans l'épisode HD, est un petit peu simplifiée, un petit peu raccourcie dans mes souvenirs. Ah, c'est très bizarre hein, de jouer avec le gamepad. Ça fait bizarre, hein, après tout ce temps. Et finalement, on rallume la Wii U, hein. Eh ouais, on l'a rallumé pour Dora. On l'a rallumé pour Lost World, Sonic Lost World. Et là, on rallume pour Wind Waker. Viens là, toi. Viens là. Putain, foiré. Super, ça commence bien. Mais prends-le! Alors, on a un souci. Monsieur l'arbitre, on a un souci. J'appuie sur A, ça le prend pas. J'ai peur. J'ai peur de la suite. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Eh voilà, il m'a tout cassé. Putain, je suis en train de faire une infiltration digne de Solid Snake. Il me coupe tout. Dégage. Comment je fais pour le soulever, là? Vas-y. Ah, voilà, merci beaucoup. Je te prends ton cochon. Eh, ça dégage. Désolé, mais c'est un rituel. Alors j'aurais pu... Oui, non, ça on sait. Merci. Ça c'est pour Zephyr, c'est pour péter des vases. J'aurais pu faire un... Comment dire? Un NG+, si je puis dire. Parce que j'ai vu que sur mon autre compte de la Wii U, j'avais toujours mon ancienne sauvegarde où je pouvais commencer une NG+. Alors toi, je vais te donner le cochon noir, comme d'hab. C'est le rituel. On va se faire de la thune. Bah ouais, faut bien qu'il apprenne à nager. Comme le pingouin que j'ai jeté dans Mario 64, fallait bien qu'il apprenne à sauter. On me le fout toujours sur la gueule, mais au final, c'était un geste altruiste. Voilà. Salut Seven, je ne pouvais pas trop regarder le stream, je viens de me cogner la gueule. À cause du travail, mais là je reviens avec le début de Wind Waker, que du bonheur. Eh bah, re-bienvenue Ilou. Ilou Super Saiyan. Merci pour le quatrième mois. Merci à toi. Aujourd'hui on va chill, enfin on va chill. C'est le mode héroïque hein, pour rappel. Hop. Là, j'ai galère à les soulever. Hein. Vivement qu'on soulève Mélodie. Médoli. Merci pour le Prime, Nanao Sparkle. C'est ce que Link doit se dire actuellement. Voilà, et ce cochon qui va littéralement devenir la créature qui enlève le plus de cœurs dans tout Wind Waker. Merci Trésalis pour le cinquième mois. Alors, bonjour, j'annonce que si les gens backseat ce Zelda, je perds espoir à l'humanité. D'ailleurs, je devrais le mettre parce que, alors, ça va faire bizarre parce que le jeu, je l'ai fini une trentaine de fois, hein, vraiment. Et c'est vrai que pour le backseat de quart de cœur, faudrait éviter. Je vais le mettre. Parce que moi, en vrai, je vais voir si je le fais, mais j'aimerais bien finir le jeu avec tous les quarts de cœur. Ah non, dégage, casse-toi. Lâche-moi. OLED ! Vous voyez, les gens, ils jouent à Elden Ring, ils jouent à plein de jeux et tout pour trouver du challenge. Un chara-design de mobs et de boss incroyable, mais au final, vous voyez, on a tout, là. Là, on a tout. On a peut-être la créature la plus
incroyables de toute la série Zelda. C'est pareil, j'ai une histoire avec ce gamin là. Dans toutes mes vidéos de Wind Waker, il apparaît. Hein. Et voilà, mais vous voyez, je décale vers la gauche. Oh, le gamepad, il va me casser les couilles. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Attendez. Ah, il faudra qu'au prochain live, je fasse la commande tech pour ce Zelda, ouais. Parce que figurez-vous que, bon, ça a beau être le 23ème tech, je crois, hein. T'as quand même des mecs qui m'ont demandé, c'est quand que tu vas faire un test sur Wind Waker? C'est trop dur de taper tech plus Wind Waker sur la barre de recherche YouTube, pour vérifier. C'est l'un des techs que je préfère, d'ailleurs, celui sur Wind Waker. Je me rappelle qu'à l'époque, vraiment, je le considérais vraiment comme le meilleur... de tous mes techs. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est cette vidéo-là que pas mal de gens ont partagé quand ils voulaient parler de moi. Comme quoi. Le remake, il pourrait facilement être dispo sur Switch, mais non. Ah, ça va arriver, je pense. Ça va arriver. Nintendo, ils ont dit qu'ils avaient un délire de faire un Zelda par an. Là, cette année, on sait toujours pas ce qui va arriver, mais bon, peut-être que ça va être les remakes. Enfin, les remakes, les portages. D'ailleurs, ce remake est pas dégueu. Beaucoup moins flemmard que Twilight Princess. T'as les musiques qui ont été refaites un petit peu. Un plus gros travail au niveau de l'ombre et de la lumière. Et surtout, il y a des petits ajouts comme la cape rouge, qui permet d'aller deux fois plus vite. Ah oui, alors c'est vrai, tu veux que... Excuse-moi. Je ne te suis pas. Alors... Donc voilà, là on peut plus faire pause. Voilà, en fait, je peux plus faire pause pour aller dans mon inventaire. J'ai accès à tout sur le gamepad. Par contre, je me rappelle, il y a quelque chose qui va pas dans ce remake. Au niveau de la maniabilité, il y a un truc qui va pas. Sur la configuration des touches. Et ça, on était beaucoup à s'en plaindre, mais je ne sais plus exactement quoi. Mais il y a un truc qui va pas. Donc je vous dirai quand j'y arriverai, mais il y a un truc qui va pas avec un objet en particulier. Je roucoule! Ça m'appelle vraiment ma vidéo de Wind Waker en vrai, que de souvenirs. Putain, mais je me rappelle ce jeu quand je l'ai fait à l'époque, parce que je l'ai fait un an ou deux après sa sortie. J'y ai joué des mois, vraiment. J'y ai vraiment joué des mois. Ça fait partie de ces jeux que j'ai eu... je vous l'avais déjà dit, c'est un pote qui me l'avait prêté, et puis... Ah! Manque de bol, j'ai déménagé. Du coup, j'ai dû garder son jeu. Voilà. Ce pote en question m'avait prêté Pokémon XD et Wind Waker. Et j'ai déménagé, manque de bol. Bon, ça va, il s'appelait Kevin. Ça va. Il cherchait un petit peu, oh. Ha les beaux. Ça sort des mérités dans le chat. Ah, faut me comprendre un petit peu! Alors, c'est très chiant, mais quand je pousse vers le haut, il se décale un peu vers la gauche. C'est un petit peu chiant. Par contre, pour le coup, c'est très pratique, ça. Pendant que tu joues... Tu peux un peu choisir les items que tu veux, c'est très cool. Alors, attendez. Je suis sur les options, hein. Type de visée. Maintenir, activer, caméra normale, inversée. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, merci. Alors, gyroscope activé ou pas activé? Bah en fait, je crois que t'es un peu obligé.
Parce que je me rappelle, y a un problème en fait. Pour ceux qui ont fait le jeu, peut-être que vous vous rappelez. Mais dans la version HD, il y a un petit souci niveau maniabilité. Ça serait drôle s'il était présent sur le live. Oh non, ça fait bien longtemps que je lui ai plus parlé. Bah depuis que j'ai déménagé en fait. C'était il y a très longtemps, c'était au collège. Donc à mon avis, peut-être oublier mon existence le bonhomme. Mais si ça peut vous rassurer, on me l'a fait aussi. Hein. J'ai perdu un ou deux jeux comme ça. Allez, c'est parti. Alors je crois que lui il est assez vénère, hein. Si tu fais pas ce qu'il te dit, il t'encule tes grands morts. Alors là, c'est violent, hein. Ça c'est très violent. Entraînement! Je te défonce! Ça c'est le coup qu'on n'utilisera jamais. Voilà, merci beaucoup monsieur. Sale vieux! Retourne à l'hospice! Ah, tu m'as dit quoi? Ah ouais, l'attaque circulaire, ok. Alors attends. Je crois que tu peux le faire tout le temps, ça, non? Ouais, tu peux le spammer. Ah, il n'y avait pas de jauge d'endu à l'époque, hein! Oh là 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 là, la classe! Le mec à 12 ans, il fait ça, quoi. Tu peux le faire en haut aussi. En sautant. Bon, je l'ai pas fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. L'attaque fumée. Celle qui fait le plus de dégâts. Attends, je peux péter tes vases? J'adore. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon et sage usage de cette épée. Le mec sait pas ce qui se passe, il sait pas pourquoi un enfant de 12 ans veut une épée, mais il lui donne. Merci mec. Ouais, c'est le but du jeu de briser les vases. Merci à toi Orko. Et maintenant... Voilà. Voilà. J'en ai oublié deux. Merci à toi. Ah et puis on peut casser les couilles aussi à son frère. Ah non, merde. Il fallait un autre moment. Oh putain, ça fait bizarre. Le joystick est au-dessus des touches. J'avais oublié ça. Ah, ça fait bizarre quand tu joues depuis des mois avec la manette Switch ou la manette Xbox. Ou même la Play hein, avec Dark Souls 2. C'est moi, j'ai vu la thune. Oh oui, la thune. Ouais, du coup, comme je disais, je sais pas si on fera tous les quarts de cœur, mais bon, pourquoi pas. On essaiera. Ça pourrait être sympathique. Sachant que là, en plus, on est en mode héroïque, donc... il faudra prendre le max de quarts de cœur. Et du coup, pour soigner, bah, ce sera que les popos. Ça va être chaud! Mais encore une fois, c'est pas le Zelda le plus dur, hein, donc... autant qu'on y joue en hard. Et c'est pas le Zelda non plus qui a le début le plus passionnant.
Alors moi, je me rappelle, gamin, je détestais la forteresse maudite. Je la détestais. Je détestais ce moment. Maintenant, je l'aime plutôt bien, ça va, ça change. Mais bon. Mode héroïque ou pas, vous le savez, hein, comme d'hab, on va faire ce try no hit, donc bon, pas très utile pour nous, si on se fait pas toucher, évidemment. Premier ennemi. Analysons de loin les patterns. Il fallait pas me donner ça. Ce genre de jouet, faut pas me les donner, monsieur l'arbitre. Oh, ça, tu vas le prendre dans la gueule, c'est moi qui te le dis. Allez, je tiens même pas de mon épée, moi, je m'en fous. Viens te battre. Allez, ça dégage. Regardez ce skill. Allez, ça dégage. Donne-moi un pendentif du bonheur. Merci. Merde, y'en a pas. M'a donné 6 balles. Ah, et je me rappelle qu'il y a un autre truc frustrant dans ce jeu. C'est avoir un max de rubis et trouver plein de gros rubis. On va falloir qu'on trouve les bourses très très vite. Moi, je ferais un reset après. Je faisais un reset après chaque passage de bateau pour ne pas y aller. Du coup, j'ai passé ma vie dans l'île du début à jouer avec les goélis et couper les herbes. J'ai pas tout compris. Il faut vite des grosses bourses, ouais, exactement. Viens te battre. Ok, ils sont mieux. Mon argent! Ouais, et c'est quoi l'autre? Oh putain, il y avait un... Non! Monsieur l'arbitre, il y avait un euro! Qu'est-ce que je pense de Phantom Hourglass et Spirit Tracks? Ah, on va parler des sujets qui fâchent. Moi, j'ai du mal avec les épisodes DS. Phantom Hourglass, ça passe encore, mais il est carré encore une fois par le fait que... Bah, c'est la suite de l'un de mes Zelda préférés. Mais il faudrait que j'y refasse pour leur redonner une chance. Mais Spirit Tracks, en vrai, j'ai pas trop aimé. Spirit Tracks, encore, ça passe. Enfin, Phantom Hourglass, pardon, ça passe, mais Spirit Tracks... J'avais pas trop kiffé, moi. Mais je les referais, histoire de leur... Histoire de laisser une chance à Spirit Tracks. Mais le gameplay au stylet m'a cassé les couilles en fait. Ça m'a un peu gavé le gameplay au stylet. C'est comme beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Skyward Sword à cause du gameplay. Hein. Il est perdu, le pauvre. Ah, chaque fois que je vois une scène, je me rappelle de la scène correspondante dans mon Wind Waker en vrai. C'est total... Ils sont totalement décrédibilisés, du coup. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roule. Ça te choque si je te dis que Skyward Sword est mon épisode préféré? Absolument pas. Non, non, moi je suis parti des défenseurs de Skyward Sword. Les gens qui disent que c'est le pire Zelda n'ont clairement pas fait tous les Zelda. Tu peux pas dire que Skyward Sword est pire que Triforce Heroes, c'est pas possible. Chacun son avis, mais il y a des choses, c'est pas possible. Donc non, non, moi Skyward Sword c'est un épisode que j'aime bien. C'est juste que comparé aux autres Zelda Salon 3D, il fait pas de figure, je trouve. C'est le moins bon de tous les Zelda 3D et en fait un Zelda, chaque Zelda 3D pour moi est incroyable et transcendant et Skyward Sword il est juste bien. C'est un peu le souci.
J'ai beaucoup aimé hein, Skyward Sword, mais à côté de Wind Waker, Twilight Princess, Breath of the Wild, Ocarina of Time et Majora's Mask, effectivement, il est un peu en dessous. Mais je le défendrai toujours, hein. Moi j'ai tout dit dans mon tech. Hein. C'est l'avantage quand quelqu'un me dit « Qu'est-ce que t'as pensé de tel jeu ?» Bah regarde le tech. Mon avis n'a pas changé. À propos de Skyward Sword. Ah, Majora's Mask le meilleur, ah, bah, les gars, moi, Majora's Mask, c'est dans mon top 10 de mes jeux préférés de tous les temps. Hein. Comme tous les Zelda Salon, hormis Skyward Sword d'ailleurs. Et Majora's Mask, ah là 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 là, ce jeu. Incroyable Majora's Mask. Facteur. L'arrivée des piafs, première apparition des piafs d'ailleurs. Et là t'as toute la Gen Z qui va faire « Hey ! C'est le personnage de la race là dans Breath of the Wild ! C'est ça ! C'est Revali ! » C'est les Baba de Twilight Princess. D'ailleurs, Baba, c'est quoi le nom de la race? C'est les Célestiens, non? Si je dis pas de conneries. Ah non, mais moi, Majora's Mask, les gars, faut pas me lancer là-dessus. Hein. Je peux en parler des heures. Majora's Mask... Un épisode que j'adore. C'est le Zelda qui, pour moi, a la meilleure ambiance de tous. Il y a une ambiance tellement glauque et chelou. En fait, pour résumer, quand quelqu'un connaît pas Majora's Mask et que je veux lui faire comprendre à quel point l'ambiance est étrange et unique... Je lui dis toujours une chose, c'est que Majora's Mask, c'est le Zelda le plus drôle et paradoxalement le plus flippant de tous. Ça montre bien à quel point il est vraiment étrange. Et c'est ça que j'aime dans Majora's Mask. Salut Akaruken. Si, si, j'ai envie de venir avec vous. Enfin, ma sœur a été kidnappée. Laisse-moi aller la sauver. Et donc ça, il faut le shield. Allez, le shield. Non, c'est même pas philosophe, c'est juste que Majora's Mask, vraiment, quand il joue, tu rigoles et tu flippes. Ah, quand j'étais gamin, il y avait des moments un peu chelous, je trouve. Hein. Et c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer Majora's Mask. Même dans Ocarina of Time, hein, il y avait des moments bien chelous quand même. Qu'ils ont censuré d'ailleurs dans le remake 3DS. Je pense au sang dans le Temple de l'Ombre. Quelle erreur d'avoir censuré ça. Majora's Mask, c'est mon premier Zelda. C'est marrant, mais Majora's Mask, je le conseille vraiment pas en guise de premier Zelda, parce que je pense qu'il faut vraiment être déjà habitué au folklore Zelda pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais ça reste un très bon jeu quand tu le fais en premier. Ça doit juste te faire bizarre de passer de Majora's Mask à d'autres Zelda si t'as pas connu autre chose avant. Mais Majora's Mask, vraiment, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Vraiment un de mes jeux préférés de tous les temps. Comme Ocarina of Time, d'ailleurs. Ariel a été enlevée. Bon, en même temps, c'est comme mon pote Kevin. Elle a carrément le nom d'un nettoyant. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle méritait pas de se faire kidnapper un petit peu? Enfin, Ariel, je veux dire... J'aurais dû m'appeler Skip, plutôt que Link. J'aurais dû m'appeler Skip. Ou Vanish. Pleure pas, mémé, je vais la chercher. Ah oui, alors lui qui... Sacré complexe d'infériorité, hein, ce personnage. Il est content.
Il est content, ça peut être le dernier, il va me donner des ordres, il est content. Ouais, je suis prêt, parce qu'en fait, je sais ce qui m'attend. Et plus vite ça sera fini, mieux ce sera. Genre la forteresse maudite, voilà. Au bout d'un moment... Attendez, le timing, timing, au moment du tambour, au moment du tambour. Merde, j'ai raté. Putain, je cherchais le... Bah, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Merci les gars. C'est moi à 12 ans qui pars seul retrouver Ariel pendant que vous, vous branlez littéralement rien quoi. La gueule de Terry. Ah Terry. Ah la première apparition de Terry quoi. Les PNJ font peur dans ce jeu, bah comme dans beaucoup de Zelda, c'est ça qui est cool. Parce qu'il y a vraiment un beau chara-design à chaque fois, les PNJ ont vraiment un chara-design chelou. Bah d'ailleurs dans Majora's Mask, je crois que c'est là où il y en a le plus... qui sont aussi originaux que flippants. D'ailleurs j'avais vu un développeur de Nintendo, d'ailleurs je me demande si c'était pas Miyamoto, ou Aonuma. Qui justifie un petit peu la disparition du style réaliste Twilight Princess par le fait que tu pouvais moins donner de... Non en fait je vous dis des conneries, je sais pas si c'est un développeur ou quelqu'un que j'avais vu cet argument. Que genre le style réaliste empêchait les développeurs de donner un certain charisme au personnage. Une certaine originalité, ce qui est totalement faux puisque dans Twilight Princess t'as des sacrés personnages comme Balder. Une sacrée gueule lui. Ou même les clowns. Qui tiennent les mini-jeux. Bah vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'espère le retour un jour du style semi-réaliste à la Twilight Princess, Majora's Mask, Ocarina of Time un jour. Même si j'aime beaucoup le style cel-shading, hein, attention. J'ai toujours en tête en fait la démo du Zelda qui était sur Wii U là. Je pense qu'un jour on l'aura, hein. On aura un Zelda à nouveau semi-réaliste. Donc monsieur garde la chambre de Tetra, d'accord, je vais pas me laisser passer, je vous prends la thune, merci beaucoup. Va falloir jouer safe, hein. J'y pensais mais... Ça va être complicado là, sans cœur à retrouver là. Ah ouais, alors là c'est un moment que je n'aime pas. Ça c'est un moment que je n'aime pas. Je n'aime pas ce moment. Le début de Wind Waker est compliqué... Quand ça part, mais avant... Pour moi, le jeu commence vraiment mercantile, en fait. Quand tu pars sur l'île du dragon. Montre-moi, Nico. Non mais je pense que ça arrivera, hein, les portages de Wind Waker et Twilight Princess sur Switch. On sait toujours pas ça sera quoi le Zelda de cette année. Hein. Encore une fois, ils ont dit qu'ils sortiraient un Zelda par an. L'année dernière, du coup, c'était Skyward Sword. Je pense qu'ils vont pas tarder à sortir TP et Wind Waker sur Switch. En tout cas, si c'est pas sur Switch, ça sera sûrement sur la prochaine console. La Switch Pro, n'est-ce pas? Ah bah moi je préférais effectivement un remake des Oracles, pour le coup, si je suis égoïste. Il y
Regardez le passage, regardez le passage, regardez, regardez. Je m'en bats les couilles, moi. Direct. Je saute de liane en liane, tel Donkey Kong. Ouais, je m'en bats les couilles. Alors, faut pas que j'aille trop loin non plus. Ok. On va y aller doucement, hein. Mieux vaut y aller doucement plutôt que vite, parce que si tu tombes, tu te retapes tout. Ouais, je sais, j'arrive, j'arrive. Me fais pas stresser. Quelle grâce. Merci, merci, je sais. Ouais, je me balance le long des lianes comme personne. Oui. Savonne au speedon. Oh oui. En fait, c'est technique speedrunner, ça. Vous savez pas. Alors, effectivement, quand je mets le joystick vers le haut, il se décale un peu vers la gauche. Hein. C'est un peu compliqué, je trouve. Je sais pas si ça vient de mon gamepad ou... Si c'est parce que j'ai perdu l'habitude. Merci beaucoup. On a le sac à dos. Savon a créé le drift avant Nintendo. Eh oui. C'est de ma faute tout ça, les gars. Grand moment aussi quand on arrive dans la forteresse. Attendez. C'est vrai que je voulais passer VIP des gens. Quoi, depuis un moment. Suspense. Incroyable. Le gamepad drift, exactement. Alors ça j'avais oublié, il y a des Zelda où quand tu fais une roulade dans les escaliers, tu te cognes. Il y a de la thune? Donne-moi de l'argent. Merci. Du grand moment. Tiens, mais lui, on le voit jamais. Je vais aller lui parler. On le voit jamais, lui. Bah, il est un peu à l'ouest. Il est un peu ailleurs. Rien que les bruits des dialogues, c'est... Ah, c'est... Ça me rappelle des bons souvenirs. Les petits doudoum. Quand tu lis des dialogues. Même dans Ocarina of Time, ça m'a marqué. C'est comme... attendez. C'est con, hein, mais il y a des petits bruits comme ça qui vous marquent. Voilà. Par exemple, si je vous fais écouter ce bruit... Voilà. C'est... Ça vous fait des petits papillons de nostalgie, rien que ce petit bruit. On est d'accord. Merci Child Random pour les subs. Child Random, c'est comme Shinrai TV, c'est-à-dire que quand il arrive, c'est... Voilà. Toujours, toujours, prends cela maintenant et va ton chemin. Prends mon argent. Mais j'ai ce délire aussi dans... avec les bruitages de Paper Mario de la Porte Millénaire, qui me rappelle vraiment des bons souvenirs. Les Goélises. Et non pas les Goélands. Cultive-toi un petit peu. Merci. Putain, les Goélands, quoi. Non mais, on est où, là? Grand moment. Hmm?
Ça fait 5 mois qu'on est sur Twitch, Tacos Kirby. 5 mois, ouais, je crois. Mais encore une fois, j'ai pas communiqué de ouf dessus, donc c'est normal qu'il y ait plein de gens qui effectivement sont pas au courant. Le timing, le timing, le timing. Hello Seven, tu vas bien? Ouais, toi? Tu joues sur Switch? Ah bah non, du coup, non. On est sur Wii U. J'aimerais vous dire qu'il est arrivé sur Switch, mais... Attention au grattage de cul! Le petit grattage de cul. Oui, mais on s'en bat les couilles en fait de voir la pierre dans l'inventaire, ça n'apporte rien. J'aime bien. Tu devras me la rendre. Que dalle. Spoiler alert, on va la garder jusqu'à la fin du jeu, hein, je te le dis. Allez, c'est parti pour la forteresse maudite. Alors moi, j'ai une technique très simple. Depuis que je suis gamin, je fais exprès de me faire choper. Parce qu'en fait, je me suis tellement fait capturer quand j'étais gamin que j'avais pris l'habitude du chemin depuis la prison. Et depuis, je commence toujours depuis la prison en fait. Juste, moi je vois de la thune, j'y vais. Petit placement pour du Rhino Shield. Il me le faut. Il me le faut. Voilà, je les prends. Quand j'entrerai à l'île de l'Aurore, je ferai genre que c'était pas du tout pour l'argent, mais juste pour me payer un meilleur PC, pour faire des vidéos de meilleure qualité, alors que pas du tout. C'est pour m'acheter v'là les kebabs. Voilà, c'est bon, allez. Bon alors, est-ce qu'on va faire exprès de se faire choper? Ouais, hein, je crois que oui. Ouais. Prenez-moi, grand cochon. Enfin, capturez-moi, à pas sortir son contexte. Vas-y, chope-moi. Je sais, à ramasser trop de rubis, tu vas déjà en avoir le max rendu à mercantile, je sais bien. Je sais bien, mais bon, que voulez-vous? Tiens, mais c'est marrant, mais le maximum, je pensais que c'était 99, mais pas du tout, en fait. Je suis resté bloqué dans cette pièce au moins une demi-heure la première fois, vraiment. Je pensais que le maximum, c'était 99, mais pas du... Pas du tout. Tiens, c'est pour toi, Zephyr, où que tu sois. Oh, de l'argent! 1 €! On n'a jamais trop de rubis. C'est Tchal Random qui sort cette phrase. Ça lui va bien, effectivement. Je suis bien d'accord. Je peux pas aller plus vite en rampant? Ou c'est dans un autre jeu? Ah, c'est dans Breath of the Wild, je crois. D'ailleurs, j'ai failli lancer un live sur Breath of the Wild, hein, je vous le dis. Mais je me suis dit, ça va être très long. Donc autant commencer quand on fera plusieurs lives d'affilée. Parce que je pense que je partirai la semaine prochaine un petit moment. En vrai, ils vont peut-être sortir The Legend of Zelda Breath of the Spirit Time Awakening in two worlds with the Sword of Majora's Twilight or Glass Waker. Tu apprécieras le fait que j'ai dit tout ça sans bafouer. Breath of the Wild, j'en suis à... Hein. Breath of the Wild, je crois que j'ai joué 300 heures. Un truc comme ça. Est-ce que j'ai la map? Ah, j'ai la map sur le gamepad, trop bien. Ça, c'est stylé, ça.
Donc soit à gauche, soit à droite. De toute façon, faut aller aux deux. Il faut éteindre toutes les lumières. Et je crois qu'il y en a une en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire qu'il y a un ennemi en haut, c'est ça? Ouais, il faut servir du shield pour lui faire perdre son âme. C'est vrai que c'était assez cool comme mécanique, mais c'était tout nouveau. Tu pouvais prendre... Bon, c'est très anecdotique, mais tu peux prendre les armes des ennemis. Tu peux utiliser d'autres armes. Breath of the Wild avant l'heure, messieurs, dames, j'ai envie de dire. Sinon, pourquoi je me fais chier à essayer d'enlever son arme? Je peux lui casser la gueule avec ça. Ah, ça, c'est pas très gentil, monsieur l'arbitre. Et il s'en va. Il se casse. Tiens, meurs. Ça dégage. Ah, super, un petit pendentif. Je suis parti en quête, dans une quête dangereuse pour retrouver ma sœur et la sauver. Ça, ça va me servir, un petit collier. Merci beaucoup. Dans mes souvenirs, faut la donner à la maîtresse, à Mercantile. Bon alors, il y en a encore 3 à désactiver. Oh là là, encore 3. Oh là là. Incroyable. Tiens, bon, on peut atteindre celui-là. Voilà. Pas se faire prier. Oh, le speedrunner, quoi. Merde. Ouais, je pense que le bouclier, il est estampillé Rhino Shield. On est d'accord. Ça, c'est solidité extrême. Tu m'as pas vu? Un peu con. Hein. Non, mais attendez, monsieur l'arbitre, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps. En plus, on en a plus que 2. Et on peut plus soigner, hein, pour rappel. Pas faire le con. Aini de potion. I need some potion. Et là-bas, on va pouvoir désactiver l'autre assez rapidement. Voilà, moi, c'est le passing que j'ai retenu, hein, pour ce monde. Voilà. Je commence toujours depuis la prison. Voilà. Et je m'en bats la race du reste. Ouais, mais tu passes à côté d'un coffre où il y a 20 rubis. Je m'en bats les couilles. Franchement, je m'en bats les couilles. Merde. I need healing, si je puis dire. Voilà. Tiens, regardez, ça c'est sûrement la boussole. Ouais. C'est ouf que j'ai réussi à deviner ça sans jamais avoir fait le jeu, quoi. Ça prouve que j'ai vraiment des connaissances en termes de game design. Assez incroyable. Jamais fait le jeu avant, encore une fois. J'ai oublié de recharger mes fioles d'estus en fait, les gars, là. On est un peu dans la merde. Alors attendez. Comment j'atteins lui? Par là, à gauche? Ouais. Ok. Alors sachant que c'est pas nécessaire de désactiver les 3. Hein. Si t'en désactives 2, c'est assez. Faut surtout désactiver la lumière qui peut te choper quand t'es sur un rebord. Allez, viens te battre. Est-ce que ce serait possible de battre un ennemi sans se faire toucher une fois? Allez, dégage. Allez. Dans ta gueule. Oh, bien joué. Il m'a tapé, mais ils sont rapides, hein. Oh, le bâtard. Saligo. Mon collier. Parfait. Bon, c'est un peu compliqué, là. On se prend plein de trucs dans la gueule. On est midlife. On est midlife. Regardez, il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué, le bonhomme. Alors, faisons la carte. Ouais, il faut continuer tout droit. De toute façon, on n'a pas le choix. Merci, Lightbox. Comme quoi, on peut être un méchant et porter un collier papillon. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas réservé qu'aux gentils, j'ai envie de dire. Il y a un moment, j'ai envie de te dire... Allô ?
Ah, faut que j'avance en appuyant sur... Ah, d'accord. Oh là là, le Metroidvania, quoi. Oh là là. Super, comme ça, quoi. Oh là, c'est incroyable. Salut, miel et arc-en-ciel sur vous tous. C'est beau, ça. C'est beau, ce que tu dis. Pour deux qui va me voir... Non, c'est bon, il est con. Oh, le con! Oh non, putain, pas les rats! Casse-toi, le rat. Dis-moi que tu vas pas me faire chier. Parce que je sais qu'ils peuvent me faire chier même sous le tonneau. Voilà, alors c'est marrant, mais cette partie-là... Je la détestais, gamin. Et il y a une autre partie que je n'aime pas, qui est juste ici. C'est un peu la partie où t'as envie de te presser, mais faut vraiment prendre son temps. Lui, là, en bas à droite, il va être casse-couille. Allez. Alors, on va se coller au mur. Pas prendre de risques. Oh putain, il y a un euro en bas, vous avez vu? Merde, ça buguait, on pouvait voir qu'il y avait un bal. Qu'il y avait un rubis vert. Il me le faut. Alors, je suis pas sûr que je puisse avancer, là. Hein. Oh, merde. Oh, le screamer qu'on a pris. Pire que Resident Evil. Il est pas con, il est pas con. On va attendre, ça, c'est intense. On va attendre. Il a un petit boule, hein, quand même, hein. Il a un petit boule, hein. Ah mais là les gars, le moindre rubis en la gueule qu'il a Link. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu? Bah, n'y vois-tu pas un étroit passage? Si, c'est ce que j'allais faire, connasse. M'a pris pour un débutant l'autre. Allez. Merci mon dieu. C'est vrai que j'oublie toujours qu'à ce passage. C'est calculé. Je savais qu'il y avait une plateforme en dessous. C'était totalement calculé. Hein. Allons bon. Par contre, effectivement, il a été assez violent là, le joystick. Faut vraiment que je réapprenne à... J'ai pas du tout les mêmes sensations en fait que sur les manettes que j'ai utilisées dernièrement. Tout le chat s'est fait avoir. Ah ah! Ouais, c'était calculé. Et là en fait, si tu désactives pas les lumières, c'est ici que tu te fais canarder, je crois. Tu te fais casser la gueule. C'est ça, Adrien. C'était pour la vanne, pour amuser la galerie. C'est pour faire le show, tout à fait. Bon, ce serait bien qu'on évite de crever au premier mini-boss. Hein? Oh shit! Musique épique! Ça le pue. Ça me détruit ce genre de moment. Tu me laisses regarder la caméra, hein? Allez, let's go! Viens te battre. Voilà, on attend le timing qui se relève, on s'en bat les couilles. Voilà. Allez, ça dégage. Ça va trancher, chérie. Ça va couper. Non, mais regardez-moi ça, c'est beau, ça. Et c'est bleu. Contrairement à notre arme. Qui a un petit côté vert. Tu peux faire l'attaque circulaire, s'il te plaît? Il veut pas faire l'attaque circulaire, ce con.
c'est vert. Ah non, c'est vrai que les armes, en fait, c'est A, et l'épée normale, c'est B. L'épée fait ta taille, on va se calmer. On va se calmer, d'accord? J'ai 12 ans. Pour rappel, j'ai 12 ans. Je peux pas faire 1m82 à 12 ans. On va se calmer. Tu peux tirer comme moi de Jack. Je vous coupe. Ouais, les expressions faciales de Link sont incroyables, je suis bien d'accord. Putain, quand ce jeu a été annoncé à l'époque, il s'est fait incendier la gueule. Bon, j'étais pas là pour le vivre, hein. Je pense que j'étais trop gamin pour suivre tout ça. Mais j'ai vu un peu les réactions de l'époque. Aujourd'hui, c'est l'un des Zelda les plus respectés, comme quoi. Toujours fermer sa gueule et attendre que le jeu sorte pour le tester. Bah déjà on va faire l'histoire et puis on va essayer de trouver tous les quarts de cœur. Peut-être essayer de trouver tous les quarts de cœur, j'aimerais bien. Déjà si on finit le jeu en mode héroïque, ça sera une victoire en soi parce que je crois que je ne l'ai jamais fait. Après ça doit pas non plus être, voilà, on a fini Hollow Knight, Dark Souls, Dark Souls 2, Elden Ring. On en a bouffé des jeux durs hein, récemment. Ça va, on est assez rodé là.